Samedi 20 mai, Anthony Delon a rendu hommage à celui qui aurait pu être son grand frère. Retrouvé inerte dans son appartement du 15e arrondissement de Paris dans la nuit du 19 au 20 mai, Harry Boulogne a finalement tiré sa révérence après une existence passée à essayer de rétablir la justice. Fils illégitime d'Alain Delon et de la chanteuse allemande Nico, celui qui a fait carrière dans la photographie s'est battu, depuis l'adolescence, pour être reconnu comme le fils du guépard. En vain. Sa dernière tentative, en 2021, a été avortée par le tribunal d'Orléans qui s'était déclaré incompétent à juger l'affaire. Placé sous curatelle, le plaignant n'aurait pas pu continuer sa bataille légale par manque de moyens. Anthony Delon, âgé de 58 ans et donc, de 2 ans le cadet d'Harry Boulogne, a souligné cet aspect de la vie de son frère dans son post Instagram, « Repose en paix Harry ». Une destinée tragique. Tristesse. Selon nos confrères de Voici, le disparu se serait retrouvé ostracisé lors de sa dernière année de vie. Atteint d'hémiplégie, l'homme aurait affronté seul ses problèmes, jusqu'à ce que ceux-ci n'aient raison de sa santé. Sur la fin, il ne sortait même plus de chez lui, comme l'a confié un de ses voisins. Pour apaiser ses maux, le fils illégitime d'Alain Delon aurait succombé à son addiction de longue date aux stupéfiants. Il ne parvenait pas à se déplacer et surtout, il était toxicomane. Tous les jours, ici, c'était le bal des livreurs de stupes, aurait confié une autre source à Voici. Supérieur à supérieur à Anthony Delon, qui sont les femmes de sa vie? Anthony Delon envoie ses pensées aux enfants d'Harry Boulogne en conclusion de son post. Anthony Delon a envoyé ses bonnes pensées à Charles et Blanche, les deux enfants d'Harry Boulogne, respectivement âgés de 25 et 18 ans. Le photographe avait accueilli, avec sa compagne Véronique, leur fils aîné en 1999. Aujourd'hui, sans leur père, tous deux devront apprendre à composer avec la tristesse inhérente à la perte d'un proche. Peut-être Anthony Delon fera-t-il un geste pour les guider, et leur apporter la reconnaissance de la famille Delon, qui a toujours échappé à Harry Boulogne. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, Capture Télévision France 2 via Best Images.